Bonjour et bienvenue. Dans ce tuto, je vais vous montrer l'utilité du bouton sécurité. Ce bouton sécurité est très utile et vous permet d'accéder à des fonctionnalités très facilement, telles que autoriser les participants à partager leur écran, discuter ou se renommer eux-mêmes. Par défaut, ces trois fonctionnalités sont activées. En autorisant les participants à partager leur écran, ces derniers pourront le faire à n'importe quel moment, à savoir qu'il est possible de faire qu'un seul partage d'écran à la fois. Autoriser les participants à discuter leur permet d'accéder au chat. Cependant, si vous désactivez cet onglet, les participants ne pourront plus utiliser le chat pour discuter. Vous pouvez également les autoriser à se renommer eux-mêmes, ce qui peut être pratique dans le cas où ils auraient utilisé des pseudos. Vous pouvez également supprimer un participant qui aurait une attitude déplacée. Il vous est également possible de verrouiller la réunion, ce qui empêchera d'autres participants de se connecter à votre réunion. Enfin, vous pouvez activer la salle d'attente, tout comme lorsque vous créez une réunion. À savoir, quand les participants se connecteront à votre réunion, ils devront attendre que vous validiez leur participation. Voilà pour ce petit tuto. Je vous donne rendez-vous dans le prochain où nous allons aborder la fenêtre participant ainsi que celle de converser.